Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la deuxième journée de Ligue 1 Conforama sur la José TV et ce aujourd'hui c'est Lyon qui reçoit Angers au Parc Ouel. Bonsoir José. Bonsoir à tous, bienvenue ici au Groupama Stadium de Lyon et c'est là entrée des 22 acteurs avec un match alléchant ce soir. Le SCO se déplace à Décines à Lyon pour cette deuxième journée de Ligue 1. Ça va être très alléchant comme je vous le dis, bonsoir. Bonsoir, et donc Silvinho a confectionné sa deuxième équipe après sa victoire 3-0 contre Monaco à Monaco la semaine passée. Voilà, José, est-ce que vous pensez que Lyon va gagner à nouveau son match aujourd'hui? Oui, le leader incontestable du championnat de France de Ligue 1 est favori de ce match. Mais attention à Angers qui a fait un très beau match face à Bordeaux la semaine passée avec une victoire 3-1 si je m'en abuse. Et oui, avec notamment un très bon Jeffrey Daïd. Allez, on commence par la compo lyonnaise, elle change pas par rapport à la semaine passée. Anthony Lopez dans les cages, Denayer Andersen dans l'axe, Dubois et Youssouf Koné, Aouar et Mendes en relayeur, Lucas Touzard en numéro 6, Traoré à droite, Dembélé et Memphis Depay en attaque. Traoré qui a fait un très bon match la semaine dernière. Et il mérite sa place ce soir amplement. Voilà, du côté d'Angers, on ne change pas non plus la composition d'équipe qui est celle qui a battu 3-1 Bordeaux, avec notamment Ludovic Butel dans les cages, pas une équipe qui gagne, hein. Vincent Monceau à droite, Pavlovic et Thomas en défense centrale, Nouri à gauche, Santa Maria, Mangani et Reine Adélaïde au milieu de terrain, avec Capel et Pereira large sur les côtés, et la recrue Alioui en pointe de l'attaque, voilà. L'ancien Nîmois. Là c'est un vrai 4-1-4-1, mais je pense aussi côté lyonnais qu'on va jouer un 4-1-4-1 comme la semaine dernière, on avait pu voir tactiquement. C'était un 4-3-3 sur le papier, mais ça s'est plus fait en 4-1-4-1, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, bah, on verra bien comment on va jouer ce match. Après, l'OL, là, normalement, devrait avoir la possession du ballon côté lyonnais. Il l'avait la semaine dernière. C'est parti pour l'Olympique lyonnais. Il faut un appel. Voilà, avec Traoré qui va revenir sur son pied gauche pour frapper. Non, Touzard, Aouar. Et 1-0 pour l'Olympique lyonnais. C'est la pépite de Oussem Aouar qui ouvre le score. On va revoir tout ça. C'est logique au vu de la possession lyonnaise, on n'avait pas eu l'occasion. La première fait mouche comme la semaine dernière de tir de but en seconde période pour les Lyonnais. Bah là c'est pareil, quelle fin de Traoré au début d'action. Je pense contre son camp qui est accordé à Pavlovic pour moi. Il va falloir voir si c'était cadré, mais Pavlovic je sais pas, et regardez Butel pas la main ferme non plus. Voilà, c'est quand même un coup de chance, un coup de billard pour l'Olympique lyonnais. Alors est-ce que Aouar aurait marqué si c'était pas touché par Pavlovic? On va voir déjà là s'il est accordé à Aouar, il faudra voir dans la semaine avec la LFP. Il est accordé à Aouar pour le moment. Voilà, donc ça fait 1-0 pour l'Olympique lyonnais face à Angers au bout de 11 minutes de jeu. Dess, le ballon dans les pieds de Moussa Dembélé. Son pied fort, Moussa Dembélé, on le voit rarement marquer de son pied faible, mais là, il a marqué, c'est magnifique, 2-0 pour l'OL, et deuxième occasion, deuxième but. Et oui, Moussa Dembélé, c'est son deuxième but déjà cette saison, il avait fait parler de jeu de tête face à Monaco, et là c'est sa frappe, cette belle frappe de Moussa Dembélé. Magnifique, super frappe, puissante on voit. Imparable, voilà, mais passivité, pas de défenseurs qui vont au pressing de Moussa Dembélé, il a tout le temps d'enchaîner sa frappe. Les Angevins sont dépassés dans ce début de match, 2-0 pour l'OL après 21 minutes de jeu seulement. Tous endormis dans ce match, il n'y a pas d'occasion. Oh, attention avec Mangani. Non, c'est la réduction du score. Très bon joueur ce Thomas Mangani. Et voilà, ça a joué très simple. En passe. Pereira large, sa petite déviation là. Et pas d'agressivité, regardez d'Oussem Aouar et de Jason Denayer sur Thomas Mangani qui place la frappe où il veut. Il faut un peu plus d'agressivité. Et c'est le premier but encaissé par l'Olympique lyonnais en championnat. Et c'est Thomas Mangani qui donne un petit peu d'espoir aux Angevins. Ça fait 2-1 pour l'Olympique lyonnais à la 37e minute de jeu. Que vous avez pensé de cette première mi-temps sur le score de 2-1 pour Lyon? L'OL avait bien, était bien rentré dans ce match, bouffé les Angevins, mais après avoir mis 2 buts, on reculait. Et même après avoir encaissé un but, on a quand même reculé encore. Et il va falloir reprendre le contrôle du ballon pour les Lyonnais. Voilà, merci. On se retrouve après la pause pour la deuxième mi-temps entre l'OL et Angers. C'est au Groupama Stadium avec une magnifique ambiance comme Juninho avait demandé. C'est fait. Et le retour des 22 acteurs, c'est reparti pour la seconde période. Capel dans le dos de Youssouf Koné. Capel, il va réussir à contrôler ce ballon. Il élimine Koné. Il centre. Attention, c'est pas fini. Traoré est battu dans le domaine aérien. Reine Adélaïde, Alioui. Anthony Lopez.
49 des minutes de jeu. J'apprécie Jeff. Donc c'est Mawar, il faut du mouvement devant lui. Il trouve Thiago Mendes. Oh, et l'arrêt. L'arrêt de Ludovic Butel sur cette frappe de Thiago Mendes. Ah là là, quelle occasion pour l'Olympique Lyonnais, ça y est, on voit le petit dribble chaloupé de Oussem Aouar et puis la passe après, c'est super bien joué le corner. Nick accélère pour Alioui, Mangani, Santa Maria, Anthony Lopez. Anthony Lopez qui sort le grand jeu. Qui montre pourquoi il est l'un des meilleurs gardiens du monde. Mendes avec Maxwell Cornet de l'opposition d'enjeu, c'était limite Mendes avec Dubois, le centre de Dubois vers la tête de Martin Terrier et le but, Lyonnais, ça fait 3-1, il vient d'entrer en jeu, le but de Martin Terrier sur ce centre magnifique de Léo Dubois, ça fait 3-1. On va revoir tout ça pour pouvoir le décrypter, ce but magnifique, il est beau. Attention, voilà, bonne provocation de Maxwell Cornet en retrait. Le centre de Léo Dubois, on connaît sa qualité de santé. Terrier qui prend le plus dur sur Pajot, il me semble. Sur Manceau. Manceau, pardon. Et Ludovic Butel est battu. Ah, il fallait être sur sa ligne, mais de toute façon, il ne peut rien faire. Et oui, donc ça fait but pour l'Olympique Lyonnais. Et ça fait 3-1. Ça fait 6 en 2 matchs pour les Lyonnais qui vont garder sans doute la tête du championnat. Et qu'avez-vous pensé de ce match, José? Attendez, écoute, c'est fini. Les Lyonnais qui ont reculé à un moment. Dommage, ils auraient pu mettre peut-être plus de buts et pas encaisser ce premier but de la saison. Ça aurait été mieux, mais déjà pas mal prestations lyonnaises car il y a un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, Kishel Pali, à la prochaine, salut.